aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo Diamond Painting. Voilà. Alors, comme j'ai terminé mon Bouddha, aujourd'hui, je vais commencer un nouveau kit, mais je vais en commencer un petit pour changer. Donc, je vais commencer le kit que vous avez vu sur la vidéo d'avant-hier, celui-là. Donc, c'est un partiel avec des perles spéciales, voilà, brillantes. Donc, il fait 30 sur 40 cm. Donc, il va aller vite à faire. Hein. Alors là, je l'ai mis toute la journée en dessous de deux gros livres pour qu'il soit bien aplati. Parce que là, j'aurais voulu le faire avec le fer à repasser en dessous. Mais comme il y a une fine pellicule de plastique comme ça, transparent, j'ai pas osé. Je n'en sais jamais. Alors, par contre, j'ai préparé mes perles. Voilà. Alors, comme vous savez, avant d'ouvrir la boîte, je vais vous montrer. Moi, je ne change plus mes étiquettes. Voilà. Mes étiquettes restent toujours comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. J'ai deux boîtes. Donc, la deuxième boîte va jusqu'au chiffre... pour l'instant, jusqu'au 36. Mais après, je peux encore mettre des numéros. Hein. Comme ça, ça m'évite de changer les étiquettes à chaque kit. Gain de temps, économie d'étiquette également. Et puis ça permet, quand il y a des kits spéciaux comme ça, bah, eux sont des références, vous voyez. De toute façon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, ça va aussi vite. Moi, comme je vous avais montré sur mon dernier kit, les références, moi, s'il n'y a pas le 1, 2, 3, 4, 5, à côté de chaque référence, je fais de la première jusqu'à la dernière, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, quand je range dans mon, on va dire un pilulier, hein, c'est comme un pilulier, je n'ai plus besoin de mettre les références DMC sur la boîte. Et au moins, je ne change plus jamais les étiquettes, à moins qu'elles s'useraient. Elle viendra à s'user, à s'abîmer. Mais sinon, là, je suis pifiée. Je suis tranquille pour un long moment et pour de nombreux DP sans devoir changer les étiquettes. Voilà. Donc, gain de temps, économie, tranquille. Donc là, j'avais 9 couleurs. Donc, je vais vous les montrer là. Vous voyez. Donc, elles ont déjà été mises. Donc là, ça allait du 1 au 9. Donc, je les ai préparés tout à l'heure. Alors, ici, comme ce n'est pas les références DMC, voilà, j'ai quand même gardé les sachets d'origine pour l'instant, au cas où il y aura un souci. Parce que sur le sachet d'origine, il y a des références d'usine. Ah, Fifi ! Il y a des références d'usine. Et comme ça, si j'ai un souci, ben, j'ai gardé les références d'usine quand même pour les perles. Après, une fois que j'aurai terminé le kit, bon, ben là, les sachets, je les mettrai à la poubelle. Donc, je vais utiliser le petit stylet. Là, je vais prendre le rose qui était avec pour changer. Ma petite tablette, comme ça. Et là, je ne vais pas en entamer à nouveau non plus, hein, vous voyez. Il n'est pas fini, donc je continue sur l'ancien. Tant qu'il n'est pas usé jusqu'au bout, je continue, c'est pareil. J'économise, hein. On ne va pas jeter. Donc, je peux encore faire pas mal dessus. Vous voyez, de toute façon, mon Bouddha, je n'ai pas utilisé beaucoup dessus avec mon Bouddha. Donc, je ne vais pas jeter du tout. Alors, je vais vous changer l'axe de la caméra, du téléphone, pour que vous puissiez voir, et je vais attaquer avec vous donc le kit. Bon, je pense pas qu'il sera fait en une soirée, mais je pense que je devrais déjà quand même bien avancer. Alors, je regarde, voilà, ouais. Donc, je vais commencer à chercher. Je commence par le bas ou par le haut.
si je commence par le haut, ça va être les perles spéciales. Donc, je vais commencer par le haut. Voilà. Allez, hop, donc voilà, je vais commencer ici. Donc, j'ai, comme vous voyez bien, oui. Voilà. Donc, on va enlever un peu. Alors, les premières, c'est la référence T, donc c'est le 3. Alors, ici, ce ne sont que des perles brillantes. Donc, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc, c'est pareil, elles vont se mettre en place hein, comme les autres. Ça fait des petits strass. Je vais mettre un petit peu de colle sur mon stylo. Enfin, c'est pas de la colle, hein, c'est de la glu. Voilà. Et on attaque. Donc là, c'est des perles rondes. Donc, je n'ai, pour essayer de dire, les partiels, j'en ai peut-être fait un ou deux. Voilà, j'ai toujours fait des complets pour l'instant. À part, je vous dis, un ou deux partiels. Même pas, un, je crois seulement. C'était des carpes. Il est dans ma chambre, d'ailleurs. Sinon, bon, moi, je fais toujours des complets, des très grands. Mais bon, là, ça va me changer un petit peu. J'espère que vous voyez bien avec mes grosses mains. Donc, les perles spéciales, j'en ai jamais fait, à part les rondes. Donc, ce sera une première pour moi également. Là, ça colle très bien en tout cas. J'ai pas de problème pour l'instant. Moi, le seul problème que j'ai, c'est mes yeux. Hein, donc, donc celui-là, une fois fini, bon, soit qu'il ira dans ma chambre, ou soit qu'il ira dans mon atelier, je verrai. Voilà, je pense pas en avoir oublié. Ah si, on est au milieu. J'ai la lumière qui brille, alors... Il va quand même assez vite à faire. Hein. Les perles rondes, c'est le premier. Je n'en ai jamais fait. Donc là, c'est bon. J'ai plus de thé pour l'instant. Non. Donc on va remettre les perles dedans tout de suite.
pas faire de bêtises. Comme tout à l'heure, quand j'ai préparé, j'en mettais plein sur la table. Alors, là, c'est les petits, donc c'est le 9. Donc là, on va faire des perles spéciales. Voilà, je vais vous les mettre dans le plateau, vous les verrez mieux. Bon, donc là, ça va pas te... Vous voyez, c'est comme ça. Des petites gouttes d'eau. Donc là, c'est la toute première fois que je mets des perles comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça va être à la pince. Alors, est-ce que j'ai... Je pense que là, ça, il vaut mieux que je le fasse à la pince. Si je tiens ma pince dans le bon sens, ça irait mieux. Oups, ça saute. Alors, je mets un peu plus de colle sur mon stylo. On va réessayer. Oui. Ah, c'est mieux. Parce que la pince, ça n'allait pas. Fallait juste mettre un peu plus de colle, enfin de glue rose. Voilà. Comme je vois qu'il y a une petite perle au milieu à mettre, je vais peut-être mettre la perle au milieu avant. Donc c'est les deux points, c'est le numéro 6. Je prends un autre plateau. Voilà. Je vais mettre la petite perle du milieu tout de suite. Alors, j'ai tout mis. Oui. Je range tout de suite mes perles parce que avec Fifi, des fois aussi qui saute sur la table, c'est plus prudent. Voilà, je peux reprendre mes pétales. Alors, profitez en commentaire de me dire si vous en faites du diamond painting déjà. Si, depuis quand, si vous en faites. Puisque vous préférez. Si vous préférez déjà les partiels, les complets. Et puis les thèmes, surtout des tableaux que vous aimez bien. Préférez les animaux, les personnages, les paysages, les abstraits. J'aimerais bien savoir. Je suis une petite curieuse, je sais.
Alors, le prochain que je vais attaquer, ce sera certainement la cascade. Bon, je vais d'abord attaquer la peinture numéro, mais en parallèle, donc je ferai la cascade. Et là, comme j'ai mis aujourd'hui sur Facebook, puis je vous ai mis en communauté, je devais avoir un kit pour vous faire le concours. Alors, la boutique partenaire qui devait m'offrir le kit, malheureusement, en ce moment, avec ce qui se passe en Chine, ne peut pas avoir le kit, donc elle ne peut pas me l'envoyer. Donc pour l'instant, il faut que je trouve une autre solution pour vous faire le concours. Parce que je vous l'ai promis. Donc je vais le faire. Donc je vous tiendrai au courant rapidement, c'est dès que j'ai trouvé une solution pour organiser le concours du Diamond Painting. Voilà. Alors, on sait qu'en diamants spéciaux, il existe aussi des complets. Mais bon. Là, j'en fais un comme ça pour vous voir. Sinon, je reviens de ma question de tout à l'heure. Pour ceux qui font Diamond Painting, qu'est-ce que vous faites comme loisir créatif? J'aimerais aussi savoir, j'aime bien savoir au niveau de la communauté, de mes abonnés, ce que vous faites. J'ai fait tous les pétales, je regarde que j'en ai pas oublié, non. Donc je vais les remettre dans la boîte en attendant. Alors si jamais vous posez la question, dire mais tiens, j'ai vidé les boîtes de perles, qu'est-ce que j'en ai fait pour celle du Bouddha? Je les garde, hein, bien évidemment. Je les ai mis dans des petits sachets zippés avec le numéro et je les garde pour un prochain kit si jamais je tombe en panne sur un prochain kit, on ne sait jamais. Alors, ici, c'est le V, donc c'est du 4. Alors, ici, on va faire des bleus. Je vais vous les montrer. Voilà, regardez. Ça brille bien, hein? Vous voyez? Alors, les perles sont très jolies. Elles brillent vraiment bien. Elles se collent très bien. Alors, c'est pour celles qui se posent la question. Donc, c'est un kit que j'ai eu par la boutique partenaire, Mes Petits Diams. Donc, je vous remets en barre d'infos, bien sûr, les liens. Donc, le lien de la boutique, le lien de sa page Facebook. Je vous mettrai aussi le lien du kit, si jamais ça vous intéresse. Sachez que sur sa page Facebook, tous les mois, elle organise un concours pour gagner un kit. Donc, n'hésitez pas à aller liker sa page.
d'aller vous inscrire au concours tous les mois pour gagner un kit. Des petits kits comme ça, c'est intéressant aussi si vous avez des enfants, pour les initier. Donc les kits comme ça, peut-être à partir de 6 ans, je dirais. En dessous, il existe des kits spécial enfants. Mais là, bon, à 6 ans... Même bon, 5 ans, on peut encore, on peut déjà, mais bon. Mais c'est une bonne. Comment? C'est une bonne activité aussi pour les enfants, ça. Surtout pour les enfants un peu actifs. Ça leur permet de se concentrer et puis d'être au calme. Moi, je sais que mes petits-enfants en font de temps en temps. Ils aiment bien. Ça les rend heureux à la fin de voir un petit de voir le résultat du tableau qu'ils ont fait eux-mêmes. Bon, là, je vais changer de couleur. Alors, avec un plus, c'est le numéro 1. Donc voilà, le numéro 1, je vais vous les montrer. Donc, c'est des blanches. Enfin, c'est comme des petits diamants, là. Vous voyez là, vous pouvez mettre la main, hein. Il n'y a pas de colle du tout là. Il y a vraiment de la colle que là où on doit mettre les perles. Hein. Ça avance, hein, vous voyez? Bon, je ne vais pas le faire en entier aujourd'hui, hein, je vous rassure.
Allez, on fait une... Oh, il y a une perle qui restait là. Elles sont tellement petites. Le 5. Alors, les 5 sont bleus. Un bleu plus foncé que tout à l'heure. Voilà. Elle va être très jolie, cette petite fée. Allez, je fais encore une ligne. Et après, on arrêtera pour aujourd'hui. Parce qu'en plus, j'ai très mal au dos, là, de toute façon. Voilà. Là, ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà.
qu'il y avait des perles qui étaient tombées. Ici, on a une là. C'est une croix. Je vais la remettre après en place. Oh, bah, c'est une bleue foncée, je vais la mettre tout de suite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, j'aime bien, ça change. Alors attendez, je vous remets la caméra. Voilà. Dans le bon sens. Alors, vous voyez, voilà ce que ça donne déjà. Bon, j'aurais pu faire plus hein, aujourd'hui avec vous, mais là j'ai mal au dos, donc je vais arrêter et on refera la suite. De toute façon, ouais, je pense que je vais le faire en 3 fois. Voilà, donc. Et comme ça, je remets la protection. Vous voyez, ça bouge pas. Là, par contre, je vais le remettre en dessous de mes gros livres pour qu'il reste encore bien plat. Comme ça, toute la nuit, ça ira. Et donc, je reprendrai peut-être demain soir. Je vais, je pense, oui. Oui, je finirai. Je continue. Oh, pardon, excusez-moi. Il est 22h15. Mais comme j'ai mal au dos, j'ai repris des médicaments et les médicaments, ça me casse. Ouais, donc je continuerai ensemble demain soir. Voilà, Fifi. Et voilà. Ah, mon gros pépère. Bonjour. Et bonjour. Pacha, bonjour. Bah, tu voulais venir avec maman, c'est pour dire bonjour. Hein? Viens, regarde là, on voit Pacha. On voit Pacha. Oh, c'est Pacha dans le téléphone. Oh, on voit Pacha, regarde. On voit Pacha. Oh là. Mon gros pépère qui a encore fait des bêtises en ce moment. Il a abîmé l'arbre à chat de Fifi. Ah oui. Ah oui, t'as abîmé l'arbre à chat de Fifi. Fais un bisou. Fais un bisou, maman. Allez, fais un bisou. Fais un bisou. Tu veux pas? Non. Tu fais pas des bisous devant tout le monde? Fifi, fais des bisous? Fifi. Fifi, Fifi, hé, je m'aime bien. Fifi, non, bon. Mais alors, ils en ont rien à cirer. Regardez comment ils regardent. Ils se voient dans le téléphone ici. Il y a un deuxième toutou à la maison, comme moi. Il y a un deuxième toutou comme moi. Oui. Allez, hop. Oh, c'est pas ça, mais c'est qui fait son poids. Et là-bas, il y a Zéry. Viens, maman. Viens. Toi, t'es plus léger. Toi, t'es beaucoup plus léger, ma crotte. Ça, c'est ma petite crotte. C'est ma petite crotte. Mais ça, il faut que Fifi, elle vienne. Hein. Voilà, comme ça, vous aurez vu tout le monde aujourd'hui. Regarde là, regarde. Oh, c'est Géry. C'est Géry. Allez, toi aussi. Hop. Oh, ils m'ont fait un boxon dans le canapé. De toute façon, c'est plus à nous, hein, le canapé. C'est leur propriété. Bon, allez, je vous laisse. Comme ça, vous avez vu tout le monde aujourd'hui. Vous avez vu. Enfin, Fifi n'est pas venue vous faire un bijou. Fifi. Fifi, viens maman. Fifi.
non, elle ne veut pas. Bon, bah tant pis. Tant pis hein, pour elle. Fifi, viens. Ah, voilà, la voilà. Viens, ma grosse. Oh, yo, yo, yo. Voilà, la ma grosse. Non. Oups. Tu veux pas? Oh là là, on va pas la contrarier, elle veut pas. Tu veux pas dire bonjour aujourd'hui? Regarde. Les filles. Bon, elle gratte ses puces. Non, c'est tout, vous deux. Tout le monde a dit bonjour, c'est bien. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Donc, demain. Oui, demain. Si vous êtes sage. Et donc, on se retrouve demain, oui, pour la suite. Et puis, peut-être pour d'autres choses aussi. Comme vous voyez, en ce moment, je vous mets pas mal de vidéos. Je suis en forme en ce moment. Allez, je vous laisse. Je vous fais des... C'était la queue à Fifi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.